yes, yes. Comment ça va ce matin? Comment ça va, Terrebonne, qui se joint à nous? On les accueille. J'espère que vous allez bien. J'étais content d'être à Terrebonne la semaine dernière. Il y a deux semaines, en fait, pour Terrebonne. Vraiment de voir ce qui prend place là-bas. On est vraiment dans une saison excitante, palpitante. Notre mission, je le répète pour ceux qui joignent à nous, c'est de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. On prie, on travaille pour notre vision, c'est-à-dire notre objectif. Nous prions, Seigneur, fais-nous grâce. On aimerait voir 10 000 disciples dans les années à venir, 10 sites. Et on a un plan de formation disciple où, avec l'acrostiche disciple, il y a 8 étapes et on pense que ces étapes représentent les étapes du cheminement, le cheminement, la croissance du disciple dans la Bible. Donc, un disciple de Jésus fait quoi? C'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus, c'est quelqu'un qui s'immerge, qui se fait baptiser, c'est quelqu'un qui sert Jésus, c'est quelqu'un qui connecte avec d'autres disciples, c'est quelqu'un qui invite ses amis, ses parents à suivre Jésus, c'est quelqu'un qui prie, qui lit, et c'est quelqu'un qui s'engage envers son église locale. Et je veux juste vous dire que c'est plus qu'un slogan. Dans le dernier mois, plusieurs choses ont pris place, au-delà de ce qu'on voit le dimanche matin. Évidemment, on a travaillé très, très fort pour bâtir un kit pour des gens qui viennent à la foi, pour les équiper, pour commencer. Plusieurs personnes ont pris la décision de suivre Jésus dans les dernières semaines. Plusieurs baptisés, plusieurs personnes ont commencé à servir le Seigneur. On a lancé notre service d'aide. En passant, si vous avez un besoin, vous connaissez quelqu'un dans le besoin, contactez-nous, info à commercial à l'église de Portail. On veut le savoir, on veut vous aider. On a commencé, encore si possible ce matin, on a demandé d'amener des denrées non périssables pour justement aider des gens dans le besoin. On a eu hier à Laval notre grande corvée où une vingtaine de personnes sont venues faire travailler pour faire des rénovations, faire des travaux pour nous préparer à l'hiver parce que ça arrive malheureusement. Notre ministère jeunesse a recommencé, ça a été le lancement de notre volet jeune adulte. Clic a fait son lancement, est en préparation pour la fête d'automne. On a lancé nos petits groupes encore dans le dernier mois. Il y a eu des témoignages à Laval. Je l'ai mentionné, j'ai été visiter Terrebonne. Cette semaine, on a une rencontre de réévaluation de notre site de Terrebonne pour mieux faire les choses. On a eu notre première soirée de formation disciples où à peu près environ, le Terrebonne et Laval inclus, environ 300 personnes se sont réunies pour prier, pour louer Jésus, pour se faire former dans la parole. Aujourd'hui même, je commence la formation de nos prédicateurs. Vous savez, un matin comme celui-ci, vous pensez qu'il y a seulement un pasteur qui prêche. Ce week-end, il y a 8 prédicateurs différents qui ont prêché au Portail. Donc, j'avais par exemple aux ados, il y avait un jeune homme, c'est la première fois qu'il prêchait. Il m'a dit, pasteur Guetta, c'était mon premier message, ce que j'ai prêché. Puis, j'ai demandé aux jeunes de suivre Jésus. Puis, j'ai fait un appel, puis il y a 20 jeunes qui se sont levés. Vendredi, oui. Un autre qui me dit « Prie pour moi, j'enseigne aux ados ce matin, à tous les volets. » Donc, c'est important, on veut former nos prédicateurs parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est un épée. Tu peux sauver des vies, tu peux couper un cancer, le cancer du péché, mais dans les mains de quelqu'un malhabile, tu peux faire beaucoup de dégâts. Donc, c'est pourquoi moi, je suis appelé à former ces jeunes prédicateurs. Demain, on a la deuxième rencontre de mes disciples, jeunes ouvriers, que je suis en train de m'investir dans leur vie. Merci, on a pris une offrande pour Haïti. On a un meeting de prévu très prochainement pour établir notre vision pour les années à venir pour Haïti, les réfugiés. Soyez pas surpris, vous venez sur semaine, vous pouvez voir une femme se promener avec un hijab. On travaille avec des gens, on a invité des musulmans à notre fête d'automne. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se préparent. On travaille sur notre concert de Noël. Et tout ça en un mois. Tout ça en un mois. Et merci également vous savez, moi, en tant que pasteur, non seulement on travaille pour l'Église, mais je pourrais dire que le Portail me prête pour notre mouvement d'Église, l'Association chrétienne pour la francophonie, qui comporte parmi les églises les plus dynamiques du Québec. Je passe une partie de mon temps à établir avec eux les fondements théologiques, bibliques. Je m'investis là-dedans. J'enseigne à l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie, qui a un partenariat avec l'Université Laval. Donc, je participe à plusieurs cours. Très prochainement, je m'en vais enseigner à Parole de vie pendant quelques jours. Je reviens, je m'en vais à Paris pendant une semaine, je reviens, on retourne en Moldavie pour voir ce que le Seigneur fait. Donc, je pense qu'on a un automne à la gloire de Jésus. Amen. Maintenant, cela étant dit, oui. Le but, c'est de mentionner, c'est pas juste des paroles, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Donc, on veut faire des disciples et on est dans une grande série, on voit les différentes étapes du disciple. Et ce matin, j'aimerais parler
le disciple de Jésus connecte avec d'autres disciples de Jésus. Si tu as une Bible, ouvre avec moi dans l'Évangile de Jean, le 12e chapitre. Et ce matin, c'est un message hyper simple. Probablement un des messages les plus simples que j'ai prêché. Et dans le contexte, Jésus arrive à Jérusalem et la foule est là, puis elle dit « Hosanna, fils de David, tu es le roi des rois, il y a une célébration, la foule est là. » Il y a des gens qui commencent, qui décident de suivre Jésus, il y a des gens qui servent, il y a des baptêmes, il se passe beaucoup de choses. Et là, c'est comme, c'est bouillonnant, le ministère de Jésus a un grand impact. Et tout à coup, il y a quelques disciples qui vont sortir de la foule et qui vont faire quelque chose de banal. Le texte, c'est rare que je dis ça, le texte biblique de ce matin, c'est un texte ordinaire. C'est un texte, peut-être tu l'as déjà lu et tu t'es dit, je peux pas imaginer qu'un jour un pasteur va prêcher là-dessus. Bien, il y a une première atout. Ce matin, on prêche sur ce texte qui semble vraiment banal, mais moi, je crois que la puissance de l'Évangile est souvent dans les petites choses du quotidien. Amen. Donc, Jean 12, verset 20. Donc, alors qu'il se passe beaucoup de choses, il y avait quelques Grecs. Et dans la Bible, le mot grec, on veut dire étranger. Donc, on ne parle pas nécessairement des gens de Grèce. C'est une, par convention, on parle des étrangers, des non-juifs. Donc, il y avait des étrangers parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, Philippe est un des 12 apôtres. Philippe était de Bethsaïda en Galilée. Il lui demandait, « Seigneur, ou littéralement monsieur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Amen. Hallelujah. Philippe, on vient voir Philippe, on dit on veut voir Jésus. Philippe va voir André, qui est le frère de Pierre. Puis Pierre, il dit, André dit à Philippe, viens avec moi, on va aller voir Jésus. OK, on va arrêter ici pour l'instant. Le plus grand besoin de notre monde, de notre communauté, de ton entourage, le plus grand besoin, c'est de voir Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Le plus grand besoin de notre monde, le plus grand besoin des gens autour de toi, c'est de voir Jésus. C'est de voir le Sauveur du monde, le seul Seigneur. C'est de voir le Roi des rois, celui qui a tout créé, qui tient toutes choses. Celui qui est le commencement et la fin. Celui qui est le seul chemin du salut. Celui qui est la vérité et la vie. Notre monde et notre job, c'est quoi? C'est simplement de montrer Jésus. Ta job en tant que disciple, c'est de montrer Jésus. Jésus veut que les gens le voient en toi. Nous voulons voir Jésus. Et le réflexe naturel des gens qui veulent voir Jésus, c'est d'aller aux disciples de Jésus. Vous savez, il y a plusieurs années, à Radio-Canada, la radio de Radio-Canada, en 1930, diffusait le message, c'était une période très, très instable au niveau politique, et diffusait le message du roi George V. Et en 1930, évidemment, c'est seulement par la radio que ça fonctionne. C'est un message vraiment important parce qu'il y a un peu d'angoisse. On est entre les deux guerres mondiales. Il se passe beaucoup de choses au niveau international. Et le roi veut rassurer tout le monde. Le message du roi. Puis à un moment donné, il y a un technicien qui s'enfarge dans le fil le plus important. Il brise le fil. Coupant l'Amérique du message du roi. Ce fil-là diffusait le message du roi pour toute l'Amérique. Et il y a quelqu'un qui a peut-être été congédié, on ne sait pas, a coupé le fil. Et l'histoire nous dit que le chef technicien, et j'ai son nom ici, Harold Vidian, a pris les deux fils, mais il manquait un bout, il ne pouvait pas les connecter. Et pendant le message du roi, a tenu les deux fils comme ça, le courant passait au travers son corps, pour s'assurer que le message du roi parvienne à tous. Un disciple de Jésus, c'est exactement ça. C'est Jésus veut passer son message au travers toi. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et les gens viennent voir, c'est normal, ils viennent voir Philippe en disant, « Nous voulons voir Jésus. » Et ce passage illustre que le disciple de Jésus, donc c'est toi ça, c'est toi et moi, a minimalement besoin de deux personnes dans sa vie. C'est ça mon message. Tu as besoin minimalement de deux personnes. Si tu te dis disciple de Jésus, et là, je ne parle pas des relations familiales, personnelles, professionnelles, je parle en tant que disciple de Jésus, si tu te dis, moi, je crois en Jésus, je veux suivre Jésus, tu as besoin autour de toi de deux personnes indispensables. Tu as besoin, premièrement, de connecter avec une personne que tu peux aider à s'approcher de Jésus.
et tu as besoin de connecter avec une personne qui va t'aider, toi, à te rapprocher de Jésus. Philippe, c'est aider les Grecs à s'approcher, les étrangers à s'approcher de Jésus. Mais Philippe avait besoin de quelqu'un, André, qui était pour l'aider à s'approcher de Jésus. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et le message est vraiment simple, c'est facile. Tu as deux choses, trouve deux personnes. Tu veux véritablement devenir un meilleur disciple de Jésus? Trouve deux personnes, on commence. Connecte avec une personne que tu peux aider à t'approcher de Jésus. Trouve quelqu'un qui est moins mature dans la foi que toi, qui est moins consacré que toi. Trouve quelqu'un de moins spirituel que toi, quelqu'un qui a moins d'expérience, quelqu'un de moins connaissant, quelqu'un de moins formé que toi. Et voici le problème. Vous savez, il y a du monde, vous allez être surpris, mais dans l'Église, on vit les mêmes problèmes qu'à l'extérieur de l'Église. Les gens, souvent, sont aussi charnels dans l'Église qu'à hors de l'Église. Des fois, il manque beaucoup plus d'amour, même dans l'Église, qu'à l'extérieur de l'Église. Dans l'Église, il y a des gens, vous allez être renversés d'entendre ça, mais il y a de la critique. Il y a des chicanes. Il y a des conflits. Et ça fait partie de l'humanité. Pourquoi? Parce que l'Église, encore une fois, c'est des gens dysfonctionnels qui sont simplement sauvés par grâce. Et les gens disent, moi, je ne vais pas à l'Église parce qu'il y a des hypocrites, mais c'est comme dire que je ne vais pas au gym parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en forme. C'est pour là qu'on est ça, c'est pour ça qu'on est ici, pour être transformé à l'image de Jésus. Maintenant, le problème, c'est qu'on se dit quelquefois, disciples, on est des religieux. Quand tu es un religieux, sais-tu qu'est-ce qui se passe? Ton identité est basée sur ta performance et ta moralité. Et ça fait que quand tu vois des gens autour de toi qui sont pires que toi, tu les juges. Mais quand tu n'es pas un religieux, quand tu as reçu et que tu vis la bonne nouvelle de Jésus, voici ce qui prend place. Ton identité n'est pas dans ta moralité ni dans ta performance. Ton identité, c'est dans la moralité de Jésus, dans la performance que Jésus a accomplie pour toi. Ça fait que tu regardes les autres, non pas comme étant des moins que toi, mais tu es plein de compassion et tu veux les amener plus loin. Et ça, c'est la première clé. La première clé pour vivre une révolution dans ta vie de disciple, c'est ton identité est basée sur quoi? Et c'est pour ça que souvent de fois, on entend des messages comme ça, puis on se dit, non, mais moi, là, j'ai pas le temps, je vois pas pourquoi, puis je dis, c'est pas facile. Puis il y a souvent plein d'excuses qu'on se donne pour pas connecter avec quelqu'un qui a besoin de nous dans la foi. Moi, je pense que tout le monde, la première chose qu'on va dire souvent, c'est, mais c'est pas nécessaire. Ça va se faire naturellement. Quelqu'un donne sa vie à Jésus, puis tranquillement, il va grandir. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu, c'est comme les enfants qui sont élevés, abandonnés, puis qui sont élevés par des loups. OK, ils vont les élever, mais est-ce que c'est la meilleure chose? Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus a besoin d'une famille, a besoin de la famille de Jésus. Et ça, c'est pour tout le monde. Regarde et réfléchis. Qui est autour de moi, avec quelle personne que je pourrais connecter, je pourrais l'amener plus loin? Et souvent, les gens vont dire, mais oui, mais je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez parfait. Quels sont ceux ici, vous avez été élevé dans une famille de 10, 11, 12, levez la main. OK. Est-ce que c'est maman qui s'occupait du petit dernier tout le temps? Non, souvent, c'est le jeune de 6 ans qui s'occupe de celui qui a 2 ans. Parce que même si tu n'es pas rendu, là où tu es rendu, tu peux quand même donner quelque chose à quelqu'un. Puis il y a des gens qui ont accepté Jésus, ça fait pas longtemps, mais même là, tu peux donner quelque chose à quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui a besoin de toi. Des fois, on va dire, oui, mais j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Imaginez, je suis dans un ministère à temps plein, mais j'ai pas le temps. Fait que j'ai décidé à un moment donné, il y a quelques semaines, je prêchais à l'extérieur, puis je voulais commencer à m'investir dans des jeunes ouvriers, puis j'ai pas le temps, puis j'ai dit, j'ai eu une révolution, c'est simple, je vais les emmener avec moi faire ce que je fais. Et là, je les ai emmenés, j'étais prêché dans une autre église, là, je les ai emmenés pour qu'ils voient comment ça fonctionne derrière les rideaux. Tu dis, j'ai pas le temps, vous êtes une femme, tu dis, j'ai pas le temps d'investir dans une autre femme qui est de l'amener dans la foi. Est-ce que vous devez faire l'épicerie? Oui, emmenez-la faire l'épicerie avec vous. Faites votre épicerie, puis après ça, prenez une petite tisane, puis parle de Jésus. Amen. Vous allez à un endroit, le transport, fais un livre à quelqu'un, mais dans ton quotidien, permets à quelqu'un d'entrer dans ton quotidien parce qu'on est tous occupés. Les gens vont dire, oui, mais je ne vois pas personne autour de moi qui a besoin de moi. Moi, vous savez comment j'ai fait pour choisir mes disciples? Parce que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. C'est-à-dire, on n'est pas appelé à former des gens qui vont nous copier. Ce que je veux, c'est simplement
Ça fait des années que je cherche le Seigneur, j'ai fait des erreurs, je veux qu'il apprenne de mes erreurs et je veux juste qu'il marche, qu'il suive le Seigneur comme que je sers le Seigneur. Je veux juste qu'il soit persévérant et qu'il serve le Seigneur toute leur vie, malgré mes imperfections. Et souvent, les gens disent, « Oui, mais je ne sais pas, vous savez comment j'ai fait pour les choisir? » J'ai pris les plus fatigants. Pasteur Gaétan, je peux-tu te rencontrer? Pasteur Gaétan, c'est des gens, pourquoi? Parce que samedi, c'est des gens qui ont soif. Pasteur Gaétan, qu'est-ce que tu ferais? Pasteur, je vous le dis, là, ils sont fatigants. Mais ils veulent. Ils veulent. Choisis les gens qui naturellement te posent et qui viennent à toi. Il y a des gens autour, là. Choisis des gens. Vous savez, tu peux emmener un cheval à la rivière, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Trouve du monde qui ont soif de Jésus. Il y en a. Et si tu dis non, il n'y en a pas, prie. Mais chaque personne qui se déclare chrétien ici, tu devrais avoir une personne, je ne t'en demande pas d'où, je te dis une personne que tu pourrais aider à se rapprocher de Jésus. Tu es toujours là, dis amen. Amen. L'autre étape, connecte avec une personne qui peut t'aider, toi, à te rapprocher de Jésus. Parce que Philippe a aidé les Grecs, mais de l'autre côté, il s'est tourné vers André. Trouve quelqu'un de plus mature, de plus consacré, de plus spirituel que toi, qui a plus d'expérience, qui est plus connaissant, qui est plus formé. Trouve quelqu'un à qui tu veux ressembler. Et si tu dis non, pasteur Gaétan, il n'y a personne de plus consacré que moi. Repends-toi. Et là aussi, encore une fois, je reviens, je parle à des disciples de Jésus, je ne parle pas à des religieux. Le religieux, son identité est basée dans sa moralité, dans sa performance qu'il accomplit. Et lorsqu'il voit des gens qui sont en avance sur lui, des gens qui portent plus de fruits que lui, quand il voit des gens qui sont plus consacrés que lui ou qui sont plus bénis que lui, il va être jaloux parce que ça le menace. Mais quand tu es un disciple de Jésus, je répète, ta moralité, ton identité est en Jésus. Et quand quelqu'un est plus que toi, tu n'es pas jaloux, mais tu te réjouis parce qu'il honore le Sauveur que tu aimes. Donc, il y a des gens, là, avant de trouver quelqu'un, tu dois régler quelque chose, tu dois appliquer la bonne nouvelle de Jésus dans ton cœur. Trouve quelqu'un à qui tu veux ressembler. Moi, il y a des pasteurs autour de moi, il y a des éléments dans leur vie que j'aimerais avoir, que je veux les ressembler, puis il y a des pasteurs que je ne veux pas leur ressembler. Je ne perds pas de temps avec les gens que je ne veux pas ressembler. Je parle dans cette dimension, moi, j'ai besoin de recevoir également. Hein, c'est un jour, un homme a trouvé un aigle. Amener l'aigle, l'aigle était blessé, puis c'était un fermier, puis il l'a mis dans son poulailler. Puis tranquillement, l'aigle a commencé à se comporter comment? Comme un poulet. Pourquoi? Parce que l'aigle est entouré de poulets. Donc, imaginez, là, un aigle, qui est le prince du ciel, se comporte comme un poulet. Puis là, à un moment donné, un homme qui connaissait les animaux, moi j'ai un ami là, qui élève des aigles, qui élève des faucons, sa job. Puis quelqu'un comme ça qui passe, puis il lui dit... Ton aigle, là, pourquoi est-ce qu'il ne vole pas? Il dit, ah, il n'est pas capable de voler. Je le prends, puis je le lance, puis il ne vole pas. Il dit, oui, mais il dit, parce que tu es toujours avec des poulets. Donc, mets un aigle avec des poulets, il va ressembler à un poulet. Donc, l'homme a pris l'aigle, il était en haut de la montagne. Là, l'aigle voyait le poulailler en bas, puis là, il y avait une tentation, il y avait un choix. Est-ce que je retourne? Et là, tout à coup, dans le fond, là-bas, il a vu des aigles voler, puis un déclic qui s'est fait. Puis l'aigle a pris son envol. À quoi tu veux ressembler? À un poulet ou à un aigle? Du monde, ça ne va pas bien dans ma vie spirituellement. Tu es entouré de poulets, mon ami. Je ne vais pas te faire de peine, là, mais on va se dire les vraies affaires. Ton environnement, c'est un environnement de poulets. Tu as besoin... Là, encore une fois, je ne juge pas. Je dis, demander un constat. Il y a des gens que leur vie chrétienne, c'est une vie chrétienne chicken, de poulets. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui ont une vie chrétienne, tu prends ton... Tu es un aigle, OK? Si tu es en Jésus, ton identité a changé, tu es un aigle. Tu es appelé à voler. Tu n'es pas appelé à rester dans la basse-cour. Tu me suis? Donc, tu dois t'entourer de gens. Peut-être que tu es un aigle, tu dois t'investir dans un poulet, mais si tu tiens juste avec des poulets, tu vas rester un poulet. Donc, tu as besoin de regarder des gens. Regarde des gens qui t'inspirent. Des gens, tu dis, moi, j'aimerais ça avoir sa vie de prière. Votre couple bat de l'aile. Voyez un couple qui vous inspire. Collez-vous à ce couple-là. Voyez des gens qui vous disent, ah, moi, j'aimerais ça, je le vois, là, je vois, il est plein de compassion, il est plein d'amour, il y a quelqu'un qui vit une paix dans les épreuves.
Collez-vous à quelqu'un comme ça. À qui voulez-vous ressembler? C'est très simple, je vous l'ai dit, mais ça peut changer ta vie. Trouve quelqu'un à qui tu veux. Trouve également quelqu'un d'accessible. OK, je donne un exemple. Philippe, la Bible nous dit que les Grecs viennent de voir Philippe était de Bethsaïda. Jean 1 nous dit que André et Pierre étaient également de Bethsaïda. Trouve quelqu'un que ça va être facile de prendre un café avec, ça va être facile de côtoyer. Parce que si tu veux que quelqu'un t'influence, si tu veux qu'un disciple de Jésus qui est en avance sur toi se déverse en toi, tu as besoin de le rencontrer fréquemment. Ça ne veut pas dire à toutes les semaines, mais au moins aux deux semaines, aux trois semaines, tu as besoin de prendre un café avec lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le faire aiguise le faire. Et si tu aiguises le faire seulement une fois par deux mois, à un moment donné, ça ne marche pas. Quand j'étais petit, je jouais au hockey et j'étais pas très bon. Puis à un moment donné, mes parents ont eu une passe assez difficile financièrement et on n'avait vraiment, vraiment pas d'argent. À l'époque, c'était 5 $ pour affûter des patins. On ne l'avait pas. J'ai joué au hockey pendant un mois avec des patins pas affûtés. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça fait? Tu as l'air d'un high scapade. Ça ne va pas bien. Puis il y a des gens, tu es comme ça, tu essaies d'avancer, mais tu as besoin de quelqu'un qui va t'aiguiser. Tu as besoin de quelqu'un qui va parler dans ta vie, qui va te confronter, quelqu'un que tu lui donnes le droit, quelque chose de confiance, puis qui va te dire, ça dans ta vie, là, est-ce que tu as vu telle affaire? Est-ce que ça se pourrait que tu aies manqué tel élément? Est-ce que quelqu'un qui va se déverser en toi? Puis tu as besoin également, non seulement, quand tu as trouvé cette personne-là, tu as besoin de trouver quelqu'un à qui tu veux ressembler, quelqu'un d'accessible, tu as besoin de t'adapter aussi. Souvent, on veut que les gens s'investissent en nous, mais on n'est pas prêt à nous à s'adapter. Et tu as besoin aussi de te préparer. Moi, vous savez, pendant longtemps, je ne savais pas, je me disais, comment former des disciples? Puis, savez-vous, je me suis rendu compte que finalement, c'est plus facile qu'on pense. Parce qu'est-ce que vous savez, les jeunes ouvriers là, autour de moi, puis dans les années, quand j'étais avec des jeunes ouvriers, ce qu'ils veulent savoir, quand ils me rencontrent, là, ils ne me disent pas, « OK, pasteur Gaétan, j'aimerais ça que tu me présentes la théologie de la Trinité. » Pasteur Gaétan, j'aimerais ça que tu partes un 20 minutes sur l'inhérence et l'inspiration biblique. Généralement, ce qu'ils me disent, c'est comment tu gères ton temps? Qu'est-ce qui arrive quand tu te chicanes avec ta femme? Comment tu pries? Combien de temps tu pries? Comment tu lis ta Bible? Quand tu as une tentation, comment tu deals avec la tentation? Quand tu as des épreuves, comment tu gères la pression? Ils veulent juste connaître la vie. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu as trouvé quelqu'un comme ça, arrive préparé avec tes questions. Arrive préparé parce que des fois, on arrive, on se dit, OK, on va jaser. Les gens n'ont pas 3 heures à prendre. Des fois, oui, mais des fois, non. Mais c'est important d'arriver comme, pose tes questions. Moi, j'ai des gens qui arrivent dans mon bureau. Là, je me souviens d'une jeune fille. Elle arrive, je ne l'ai jamais vue. Elle dit, OK, pasteur Gaétan, je veux vérifier des choses avec vous. Elle sort sa petite feuille, puis elle avait 12 questions bibliques. OK, descends. Vas-y, ma chère, descends ta feuille, on va regarder ça ensemble. Il y a des gens qui ont juste des. Ils veulent juste des questions. Ils veulent juste quelqu'un qui est juste un petit peu en avance. Mais c'est ça, l'Église. On ne peut pas s'attendre qu'un pasteur ou deux pasteurs, trois pasteurs vont le faire. C'est que si tout le monde connecte à quelqu'un, t'aide quelqu'un à s'approcher de Jésus et tu trouves quelqu'un qui va t'aider, toi, à t'approcher de Jésus, je vous le dis, on vit une révolution. C'est la loi du connect. C'est la loi, c'est le principe que j'en vois là-dedans. Il y a une connexion qui prend place. C'est toujours là, dis amen. OK. Maintenant, Jésus va donner quand même une réponse. Il y a des gens qui veulent voir Jésus. On vient voir Jésus et on lui dit, « Jésus, il y a des gens qui veulent te voir. » Voici la réponse de Jésus. Et ça aussi, c'est très drôle. C'est comme si ça n'a pas rapport. Mais oui, ça a rapport. Verset 23. Jésus leur répond, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Il y a des gens qui veulent te voir. Jésus répond, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Ouais, puis, amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. OK, Jésus dit quatre choses en gros. Premièrement, il dit, le monde veut me voir et je m'apprête à faire quelque chose de glorieux. Jésus dit, je suis Dieu. Je marche sur cette terre d'une manière que personne n'a jamais marché, en parfaite obéissance.
Je suis parfait, je fais le bien, je suis pur. Et à cause de ça, je vais mourir pour le péché de l'humanité. Et cette mort-là va compter parce qu'aucun homme ne peut mourir pour son propre péché parce que tout le monde est pécheur et tout le monde est endetté par rapport à Dieu. Moi, étant pur et saint, ma mort a une valeur. Je paye la dette de l'humanité. Et parce que je n'ai pas de péché, la mort ne peut me garder. Je vais ressusciter. Et non seulement je vais ressusciter, je ne vais pas me promener sur la terre pendant 2000 ans, je suis élevé. Et Jésus va dire quelque chose dans les versets qui vont suivre. « Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. » Autrefois, on chantait un vieux petit cœur qui disait « Élevez Jésus ». Est-ce que vous connaissez ça? « Élevez Jésus, élevez Jésus. » En élevant, une clé là-dedans. Et Jésus dit, le monde veut me voir, et moi je vais attirer les gens à moi. Je ne veux pas attirer les gens à un programme, même à une église ou une doctrine, à moi. Mais mes disciples doivent suivre mon exemple. Jésus dit, je vais faire quelque chose de glorieux, je suis le roi des rois, je vais sauver l'humanité. Mais mes disciples doivent suivre mon exemple. Et ça, c'est important. Vous savez, un jour, Alexandre le Grand ne pouvait pas dormir et s'est promené. Et les livres d'histoire nous disent qu'à un moment donné, il est arrivé, puis il y a un soldat qui devait faire la garde, qui dormait. Et à l'époque, lorsqu'un soldat dort pendant sa garde, on le tue instantanément. Même souvent, on arrivait avec du gaz, on jetait du gaz, puis on le brûlait vif. Aucune pitié, c'est le péché impardonnable. Et là, Alexandre le Grand va sentir un petit peu gracieux cette journée-là, donne un coup de pied. Et là, l'autre se réveille tout en panique, puis lui dit, « C'est quoi ton nom? » Il dit, « Ben, moi, je m'appelle Alexandre. » Il dit, « C'est quoi ton nom? » « Ben, Alexandre. » Il dit, « C'est quoi ton nom? » Il dit, « Alexandre? » Il dit, « Moi, je m'appelle Alexandre le Grand. » Toi, tu dis que tu t'appelles Alexandre. Tu as deux choix. Soit que tu changes de nom, soit que tu changes de comportement. Tu es un chrétien, donc tu reflètes Christ. Soit que tu changes de nom, soit que tu changes de comportement. Amen. Parce que Jésus dit, les disciples doivent suivre mon exemple. Pourquoi? Parce que quand le monde va regarder à mes disciples, c'est moi qu'ils vont voir. Avez-vous remarqué dans le texte, là, Jésus ne va pas aller rencontrer ces hommes-là, les étrangers. Jésus donne un enseignement. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voir Jésus, mais comment est-ce qu'ils vont voir Jésus? C'est au travers de nous. On va parler au nom de Jésus, on va agir au nom de Jésus, on va ressembler à Jésus. Et si vous êtes comme moi à ce moment-là, vous ne dites pas « Amen », mais vous dites « Ouf, c'est une grande responsabilité ». Et Jésus donne deux raisons majeures pourquoi les disciples de Jésus doivent connecter entre eux. Pourquoi tu dois avoir des gens autour de toi, des gens qui vont t'inspirer à suivre Jésus autour de toi. Écoute-moi bien. Connecte parce que la vie chrétienne est trop difficile pour être vécue seule. OK, moi, là, je ne vais pas te prêcher un message bonbon. Là, c'est tough, la vie chrétienne. Suivre Jésus, là, c'est tough. Je sais que quelquefois, dans certaines églises, on va dire, « Suis Jésus et Dieu va te bénir. » Oui, mais tu vas souffrir aussi. Ce n'est pas facile, la vie chrétienne. Ça fait mal, la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être entouré. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne seul. On a besoin des uns des autres. C'est pourquoi la Bible dit souvent de fois les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Servez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Vous savez, il est arrivé quelque chose d'à peu près 5 ans, j'ai lu ça dans le journal, où il y a des mineurs, il y a 9 mineurs qui sont tombés dans le fond d'une grotte, puis il y avait de l'eau dans le fond de la grotte, et l'eau est à 12 degrés. Donc, les mineurs sont là pendant plusieurs jours, sont dans l'eau, 12 degrés, imaginez, dans le fond. Et là, on leur a dit, comment vous avez fait pour survivre, pour ne pas mourir d'hypothermie? Puis les mineurs ont dit, on établit un système. C'est que lorsque quelqu'un, on sentait que quelqu'un était vraiment sur le bord de l'hypothermie, tout le monde, on venait l'entourer, on venait se coller, là, puis on venait le réchauffer. Puis après ça, quand c'était l'autre, les autres venaient autour de lui. Puis il dit, finalement, on s'est gardé chaud ensemble. Est-ce que tu as besoin de l'application?
La seule manière de rester chaud pour Jésus, de ne pas mourir, c'est de rester collés ensemble. Tu as besoin d'amis, tu as besoin d'un petit groupe, tu as besoin d'une église, tu as besoin de gens autour de toi. Parce que la vie chrétienne est difficile. Jésus va dire, vous devez suivre mon exemple, il va dire, c'est comme le grain de blé, s'il ne meurt, il ne porte pas du fruit. Jésus dit, si tu es un disciple, tu vas être mon disciple, tu dois mourir à toi-même. Tu dois réaliser que tu es pécheur, que c'est ta chair et tu as besoin de mourir à ça pour permettre la vie de Jésus. Jésus ne veut pas vivre en même temps en compétition avec toi. Tu dois mourir à toi-même pour permettre la vie de Jésus en toi. C'était toujours là, dis amen. Mourir à soi-même, c'est difficile. Est-ce qu'on est d'accord? Mourir à soi-même, c'est extrêmement difficile. Et tu as besoin de quelqu'un autour de toi qu'à un moment donné, quand tu as l'impression que la vie veut t'enterrer, quand tu as l'impression que les problèmes t'enterrent, puis tu es découragé, puis tu veux tout lâcher. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés qui te dit, « Mon ami, ne décourage pas, parce que lorsque la vie t'enterre, Jésus est en train de préparer une semence qui va porter du fruit à la gloire de Dieu. » Tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage. Jésus dit, « Détester, s'il ne déteste sa vie. » Et ça, c'est, on appelle ça un idiome sémitique. C'est-à-dire, c'est une expression pour simplement établir les priorités. Jésus ne veut pas dire qu'il faut se détester vraiment. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que tu dois le mettre en priorité. Mettre Jésus numéro un dans notre vie, c'est difficile. C'est l'affaire la plus difficile au monde. Lorsqu'on était petit, puis même des fois les grands, on aime jouer au roi de la montagne. Tu sais, il faut rester, puis là, tu es le roi de la montagne. Ah! Mais tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers, parce qu'à un moment donné, tu vas te faire déloger, puis il y a un autre roi de la montagne. Et dans la vie chrétienne, à un moment donné, tu dis, je décide, Jésus est le roi de la montagne, mais il y a plein d'affaires qui vont vouloir déloger Jésus. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est toi qui dois décider. Tu dois laisser Jésus en priorité. Ne perds jamais sa souveraineté, mais tu dois le laisser en priorité. Souvent, les problèmes, les tentations, le diable va vouloir déloger Jésus de numéro un dans ta vie. Et tu dois constamment dire, non, tu es Seigneur. Non seulement, oui, tu l'es à jamais, mais je le reconnais dans ma vie, je me soumets à ta Seigneurie. Et quelquefois, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à le faire. Vous savez, en voiture, on a des angles morts. Puis tout le monde ici, il y a des angles morts, il y a des choses que tu ne vois pas dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aime assez pour te dire ce que tu ne vois pas. Qui va t'encourager, quelquefois, qui va te reprendre. Vous allez vous reprendre les uns, mais vous allez vous dire les vraies affaires. Le drame, c'est que des gens n'ont personne pour leur dire les vraies affaires. Avec amour. Plein de gens qui veulent critiquer, qui veulent condamner. Mais quelqu'un qui t'aime, qui est là, mais qui va te dire les vraies affaires. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de suivre Jésus. Jésus parle de suivre. Est-ce que vous trouvez ça facile de suivre Jésus? Moi, je trouve ça tough. Puis j'ai besoin de gens autour de moi. J'ai besoin de gens qui m'encouragent. J'ai déjà dit qu'à un moment donné, il y a deux étés avec les enfants, on décide d'aller se promener dans un bois, puis on s'est perdu. Puis là, à un moment donné, je me rends compte qu'au lieu d'être à 10 minutes de la sortie, on est à peu près à 3 quarts d'heure dans le milieu du bois, puis on n'est pas sûr où on doit sortir. Et là, on trouve un chemin, puis là, on marche dans le bois. Puis là, imaginez, là, tu as les petits brasseurs, on marche. Puis là, je les vois, là, puis là, c'est comme, ça commence à être difficile. Et là, c'est un peu, même moi, j'étais plus trop sûr. Puis là, je dis, OK, on fait des jeux. OK, on trouve des noms de filles qui commencent par A, OK, B, C, D. OK, on chante des chansons. OK, on fait... Pourquoi? On s'encourage, garder le moral. Puis quelquefois dans la vie, quand tu suis Jésus, tu as besoin de quelqu'un qui prie pour toi, qui loue le Seigneur avec toi, qui dit, garde le moral, Jésus est fidèle, tu vas y arriver. Mais tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage. Tu as besoin. Puis Jésus parle de service. C'est difficile de servir Jésus. Moi, au restaurant, j'aime mieux être assis à la table qu'être le serveur. C'est plus facile d'être à la table que de servir. Puis Jésus te dit, tu es un disciple, mon ami, tu n'es plus à la table. C'est toi qui sers. Connecte parce que la vie chrétienne est trop difficile pour être vécue seule. Et connecte parce que la vie chrétienne est trop glorieuse aussi pour être vécue seule. Je le répète. Connecte non seulement parce que c'est difficile la vie chrétienne, mais connecte parce que Dieu fait quelque chose de glorieux dans ta vie et tu as besoin de le partager. Tu as besoin de voir quand toi tu es découragé et tu entends le témoignage d'un frère et d'une sœur, ça t'encourage. Tu sais, il y a un pasteur qui aime le golf et est fan de golf. Et un dimanche,
dans ce moment-ci de l'année, une des dernières belles journées pour jouer au golf, c'est un dimanche, une journée resplendissante. Et là, le pasteur s'est dit, « Ouais, il me semble que j'aimerais mieux aller jouer au golf que prêcher ce matin. » Il appelle ses assistants et il dit, « Ce matin, je ne peux pas aller, je suis malade. » Donc, ils se débrouillent, font le programme. Et lui, roule 3 heures plus loin de sa ville pour aller jouer au golf pour pas que personne ne le reconnaisse. Là, il arrive sur le terrain de golf. Et là, il y a un ange qui voit ça et qui dit, au Seigneur, il dit, « Hey, ça, là, c'est supposé être ton serviteur. J'espère que tu vas le punir. » Bon, la théologie de l'ange n'est pas parfaite, là, mais ça, c'est autre chose. Et là, le pasteur est là. Là, Dieu dit, « Attends. » Et là, le pasteur, sa première balle, boum, trou d'un coup. Et là, l'ange est doublement insulté. Il dit, « Seigneur, non seulement tu le punis pas, mais tu le bénis. » Puis Dieu dit, « Non, tu n'as pas compris. Il vient de faire un trou d'un coup. » Il dit, « Oui. » Il dit, « Il ne pourra pas en parler à personne. » Jésus veut faire une œuvre dans ta vie pour que tu en parles. C'est plate de garder la bénédiction de Dieu pour nous. Dis « Amen ». Et la vie chrétienne est trop glorieuse, donc tu as besoin de quelqu'un parce que mourir à nous-mêmes, c'est difficile. Mais le fruit qui jaillit de ça est glorieux. Détester notre vie, c'est difficile, mais la vie éternelle, c'est glorieux. Moi, je suis inspiré. Je vois du monde là, en phase terminale. Au travers de mes années de vie chrétienne, du monde en phase terminale. Ils vont mourir, puis sont pleins d'assurance. C'est comme Jean dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Puis je vois du monde qui a une petite épreuve, ils sont ébranlés, puis sont terrassés, puis bouleversés. Puis pourquoi? Parce que Hydro-Québec augmente de 1%. Puis tu as du monde, phase terminale, qui ont une assurance. Puis quand tu passes du temps avec ce monde-là, ça stimule ta foi. Donc oui, mettre Jésus en priorité, c'est difficile, mais l'assurance de la vie éternelle, c'est glorieux. Jésus va dire, suivre Jésus, c'est difficile, mais la présence de Jésus est glorieuse. Il dit, là où je serai, mon serviteur sera aussi. Tu veux expérimenter la présence de Dieu? Commence à suivre Jésus sérieusement. Et ce n'est pas pour rien que la Bible dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une présence. Moi, je crois que Dieu se manifeste partout, là. Je crois que tu es tout seul dans ta chambre, Dieu peut se manifester. Mais je crois que Dieu se manifeste de manière spéciale lorsqu'il y a 2 ou 3 ou 1000 réunis en son nom. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est la communauté. Et la vie chrétienne, non seulement servir Jésus, c'est difficile, mais il va dire le Père l'honorera. Donc, je termine avec ceci. Premièrement, je te lance un défi. En tant que pasteur, je te lance un défi. Trouve 2 personnes. Une personne qui a besoin de toi pour s'approcher de Jésus. Puis je suis sûr que le Saint-Esprit est en train de faire popper des noms. Sinon, commence à prier. Et trouve une personne qui va t'aider à te rapprocher de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi, puis toi, tu as besoin de quelqu'un. Et peut-être une des manières de rencontrer des gens, si vous êtes joints à l'Église, puis vous ne savez pas trop comment, on a un ministère de petits groupes. Permettez-moi, encore une fois, d'expliquer c'est quoi. Une fois par semaine, il y a des gens qui se réunissent, 8, 9, 10... 11, 12, dans les maisons, ça dure à peu près 1 h 15. On revient sur le message du dimanche, juste comme, OK, ça met la table et ça permet à des gens de témoigner, de parler de leur vie, de prier les uns pour les autres. Donc, c'est un moment où justement tu connectes, tu as des gens autour de toi. Et au fur et à mesure que ça avance, tu te rends compte que tu es dans un endroit sécur et si tu veux, tu es libre, tu peux t'ouvrir. Mais il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens qui prient pour toi, il y a des gens qui sont là pour toi. Puis toi, en même temps, il y a des gens qui disent, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Mais eux ont besoin de toi. La vie chrétienne, ce n'est pas toi, toi, toi. Jésus t'a sauvé pour les autres également. Donc, je t'encourage. On a des groupes partout. On a des groupes à Blainville, à Fabreville, Pierrefonds, Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Sainte-Marthe, Sainte-Rose, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Terrebonne-Ouest, Bois-des-Filions, Mascouche, Terrebonne. Et on pense qu'il y a plusieurs localités autour qui ont besoin d'avoir un groupe. Donc, 3 choses. Moi, je t'encourage à connecter dans un groupe, un petit groupe. Ce matin, il y a une table, tu peux aller donner ton nom. Tu peux également, sur le site Internet, tu peux t'inscrire en ligne, tu peux contacter un pasteur, mais fais-le. Deuxièmement, il y a des gens, non seulement Dieu t'appelle
à participer à un petit groupe. Il t'appelle peut-être à être un leader de petit groupe. Il y a des gens, tu commences à avoir de l'expérience, tu as du vécu, des choses que tu aimerais communiquer aux autres. Donc, un leader de petit groupe, ce n'est pas quelqu'un qui va simplement cracher l'enseignement du dimanche. C'est quelqu'un qui est là, tu es comme, tu es un berger pour des gens qui sont autour. Donc, dans une église comme la nôtre, c'est nécessaire. Il y a des fois des gens qui sont malades, sont à l'hôpital, et souvent, c'est les leaders de petits groupes qui sont là, même avant les pasteurs, parce qu'ils sont au courant très, très rapidement de ce qui se passe. Donc, encore une fois, tu peux donner ton nom. Et on a besoin, il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas un leader de petits groupes, mais j'ai ma maison, puis j'aimerais ouvrir ma maison pour que des gens se réunissent, puis comme ça, avancer, puis travailler, puis progresser ensemble. Donc, là aussi, c'est possible de le faire. Donc, je termine ce message sur l'importance de connecter avec une vidéo. Une vidéo que vous avez peut-être déjà vue aux Jeux olympiques, deux frères. Dans le triathlon, ils sont en train de courir. Il y a un frère qui est premier, qui a un malaise. Et le deuxième va faire quelque chose de magnifique. Vidéo. That would be incredible if Johnny Brownlee can... He is in trouble. Look at him. This. This is unbelievable Johnny drama. Brownlee, I think he might have just fallen. He is in massive trouble. Who would have thought that Johnny Brownlee, he is 400 meters from the finishing line and he does not know where he's at. Johnny Brownlee may not make the finishing line. He's looking over his shoulder. He is desperately in trouble. Just get him some fluid here. He cannot be helped. I don't think I've ever seen this. Let's see if Alistair stops. Johnny Brownlee is not going to finish this race. Alistair's come. He's got him. This, I have never seen this before. Henry Schulman is going to win this race because Alistair Brownlee has stopped for his brother. I don't even know if that is allowed. This is incredible. I don't think he cares if it's allowed or not. That is the most incredible thing I have ever seen in a triathlon. Alistair Brownlee is trying to get his brother across the line. Henry Schulman is going to win this race. That is the most ridiculous thing. You would have thought that Johnny Brownlee had it in the bag. Henry Schulman is onto the blue carpet. The two Brownlees are coming with less than 150 meters to go. They could get caught from behind because it is not that big of a gap. Taking the flag right now. He can't even hold himself up a little and take the flag. Here comes Richard Murray around the corner. This is the most ridiculous grand blue carpet in just a few seconds. This is absolutely insane. Here comes Richard Murray. The two Brownlees are trying desperately to get across the line. Oh my God, Johnny Brownlee in second. It'll be third across the line, Alistair Brownlee, and then can Mario Mola be fourth? L'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course. La vie chrétienne est un marathon et très humblement. J'ai été ces deux frères. Il y a des périodes de ma vie où c'était pas du monde qui m'ont porté. Je serais pas là aujourd'hui. Puis il y a des moments dans ma vie où Dieu s'est servi de moi pour porter du monde, les amener là où ils sont. Puis c'est ça la vie chrétienne. Il y a des saisons où tu portes, puis il y a des saisons où tu es porté. Mais moi, je t'invite, je veux juste être très, très clair sur un message très simple. Quatre choses. Connecte avec quelqu'un que tu peux aider à s'approcher de Jésus. Connecte, deuxièmement, avec quelqu'un qui va t'aider à te rapprocher de Jésus. Connecte, parce que la vie chrétienne est trop difficile pour être vécue seule. Finalement, connecte, parce que la vie chrétienne est trop glorieuse pour être vécue seule. Et c'est ça l'appel.